Non, parce que depuis que j'ai mes reins qui filtrent vraiment bien, je n'ai plus de problème de déshydratation. Mais pour les personnes qui sont encore déshydratées, hein, si vous êtes en acidose, vous êtes déshydraté massivement. Vous avez beau boire de l'eau, ça ne vous hydrate pas. Ce n'est pas parce qu'on boit de l'eau qu'on est hydraté. Si on boit, l'hydratation, ça se mesure dans les tissus. Ce n'est pas parce qu'on fait pipi clair qu'on est hydraté. Au contraire, bien au contraire, si on fait pipi clair, ça veut dire juste que l'eau, elle circule. Elle monte, elle descend, elle monte, elle descend, elle monte, elle descend, et elle ne sert à rien. L'eau, c'est fait pour évacuer des déchets. L'eau est plus importante parce qu'elle emporte que parce qu'elle apporte. L'eau, c'est un évacuateur de déchets. Donc, si tu es encore un petit peu déshydraté et en acidose, à ce moment-là, je te recommande, premièrement, de boire lentement. Deuxièmement, de consommer assez d'eau avec un principe astringent à l'intérieur. Un petit peu de jus d'agrumes très légèrement dilué, un jus de citron c'est le mieux, une infusion de plantain ou de gaillet gratteron par exemple. Et puis doucement, mais de respecter ça, c'est-à-dire d'y aller tout doucement. Mais hydratation, hydratation, hydratation.